Je me rappelle comme hier de ce jour, une Dominicaine m'a dit, tu sais, tu n'auras plus jamais de cheveux dans ta vie. Tu n'auras plus jamais de longs cheveux parce que c'est moi qui te le dis. Quand je suis à peine sortie de l'adolescence, je ne voulais pas avoir les cheveux défrisés, donc j'ai décidé de me couper les cheveux. Comme c'était super difficile pour moi de gérer les cheveux afro, je ne les laissais pas pousser tout simplement, je les coupais. Parce que pour moi, c'était l'option la plus facile, c'était juste la solution la plus simple. J'avais pas à me coiffer et j'avais pas à me défriser parce que je ne supportais pas ce truc-là d'avoir les cheveux complètement fins. Donc, c'est pour ça que je les coupais. Et comme j'allais chez dans au salon, et j'allais au salon d'une amie la plupart du temps. C'est une Dominicaine et c'est un salon dominicain. Tous les gens, toutes les personnes qui travaillent là-bas, ce sont des Dominicains. Je voulais me faire couper les cheveux par des hommes parce que pour moi, c'était le plus simple, parce que eux, ils sont habitués à faire des coupes, ils sont habitués à faire ces genres de coiffures-là. Si vous écoutez du bruit, mon fils est juste à côté. Donc, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas me coiffer parce que selon eux, les femmes, les cheveux des femmes, c'est sacré et elles n'ont pas le droit de les couper. Ok. Tout allait bien. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je vais me faire coiffer par des hommes, par des femmes, pardon. Parce que les hommes, eux, ils ne voulaient pas. Il y a une dame qui était vraiment gentille, hein. Elle était vraiment gentille, on se parlait tout le temps. Au contraire, mon amie, la propriétaire du salon, l'aimait bien et c'était elle qui était comme son bras droit. Un jour, elle m'a dit, tu sais, tu coupes tout le temps tes cheveux, tu sais quoi? Tu n'auras plus de longs cheveux. Tes cheveux ne vont plus pousser parce que là, c'est beaucoup trop. Je pensais que tu les coupais juste pour une fois, deux fois. Mais là, tu les coupes tout le temps. Donc, c'est moi qui te le dis, tu n'auras plus jamais de longs cheveux. Là, je lui ai dit, mais pourquoi? Non, parce que pour les femmes, les cheveux, c'est sacré et vous n'avez pas le droit de les couper. Parce que elle préfère mettre des extensions, se mettre acheter des cheveux, allonger leurs cheveux au lieu de les couper. Ça, c'est leur croyance à elle. Donc, le temps passait, tout allait bien. J'avais même décidé de ne plus aller à ce salon-là. J'avais changé de salon parce que j'étais vraiment triste après qu'elle m'a dit ça. C'est pas que j'étais obsédée à avoir mes cheveux longs ou que je voulais qu'ils poussent. C'était juste que je n'aimais pas le fait qu'une fille qui travaille dans un salon me dise je te jette un sort et que tu n'auras plus de longs cheveux. Donc voilà. Et après, j'ai rencontré mon mari, et j'avais décidé de les laisser pousser, quoi. D'avoir une bonne crinière, d'avoir les cheveux longs. Et je suis passée voir mon ami au salon un an après mon aventure capillaire, un an après que j'ai commencé mon aventure capillaire. Quand je suis arrivée au salon, j'ai rencontré la femme en question. Et elle n'avait pratiquement pas de cheveux. Elle avait les cheveux défrisés. Le truc avec elle, c'est qu'elle avait de très longs cheveux. Elle les avait comme ça. Et elle, ses cheveux, qu'ils étaient longs, beaux, soigneux et tout ça. Un jour, elle avait décidé de se couper les pointes des cheveux. Et la fille qui a coupé ses pointes lui a coupé presque la moitié. Elle avait les cheveux jusque-là. Et quand je l'ai vue au salon, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où ils sont tes cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le marchand, elle m'a dit, ah ben tu sais, j'ai coupé les pointes, blablabla, blablabla. Et je lui ai dit, mais ça fait combien de temps? Elle m'a dit, ça fait près de 6 mois. J'ai fait sauter les pointes de ma crinière et ça n'a jamais poussé. J'étais comme, ah, et ça n'a jamais poussé. Oh! Et je lui ai dit, tu te rappelles qu'un jour tu m'avais dit que mes cheveux n'allaient plus pousser parce que je les coupais tout le temps? Je lui ai dit, tu vois. Et voilà, voilà comment ils sont les miens. Ils sont comme ça maintenant. Et elle m'a regardé, ah non, mais c'était pour rire. Tu prends tout à cœur, mais c'était juste pour rire. Je voulais juste te motiver, quoi, pour que tu les laisses pousser. Mais c'était pas méchant, hein, blablabla. Et tout le nanana qui vient avec. L'histoire dans tout ça, la morale ou tout ce que j'ai pu
j'ai pu comprendre et tout ce que j'ai pu apprendre à partir de cette histoire. Je n'arrête pas de penser à cette histoire. Tous les jours, quand je me coiffe, je vois mes cheveux et je me suis dit, ah, il y a un Dieu pour les innocents. C'est qu'il ne faut pas désirer, il ne faut pas demander du mal pour les autres. Ce que tu demandes pour ton prochain, c'est ce qui va t'arriver. Que ce soit dans les choses... Il est en train de déchirer mon bloc-notes. Que ce soit les choses les plus basiques jusqu'aux choses les plus importantes, il ne faut pas demander du mal pour les autres parce que ce que tu demandes pour ton prochain va finalement t'arriver. Donc aujourd'hui, je suis fière, j'ai de longs cheveux. Maintenant, ça fait près d'un an que je ne l'ai pas vu et je ne sais pas comment ils sont. Arrête de faire ça, basta. Je ne sais pas comment ils sont, ces cheveux maintenant. Mais moi, je suis plutôt satisfaite et ce que les hommes disent, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu a dit, ma fille, tu auras des cheveux et j'ai des cheveux. Et elle qui avait de longs cheveux, qui pensait qu'elle n'aura jamais des problèmes de cheveux, et maintenant, c'est elle qui affronte ces problèmes-là. Donc, pensez à ce que vous demandez pour les autres. Si vous voulez un truc pour vous, priez, demandez à Dieu que ce truc-là arrive à une sœur, à une amie, à quelqu'un que sans doute que tu connais. Après, cette même chose va t'arriver à toi. Parce qu'il y a ce qu'on appelle karma. Ce que tu demandes pour les autres ou ce que tu fais aux autres va t'arriver à toi. J'espère que vous aimez la petite vidéo et que la leçon vous servira pour toutes celles qui demandent que du mal pour les autres. Ce que vous demandez pour les autres, c'est ce qui va vous arriver. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas où c'est écrit s'abonner. Il y a une petite cloche où vous pouvez cliquer et que vous aurez toutes les notifications de tout ce que je fais. Je vous envoie plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego!